Peggy 12. Dans les lointaines cimes froides et contre toute attente, le peuple des Draguères et la Légion de la Flamme se sont rapprochés. Cette alliance de la fusion a asservi Norn et Char, testant leurs armes terribles sur quiconque se mettait en travers de leur chemin. À l'ouest, les pirates Etherlam ont organisé un machiavélique assassinat politique dans l'Arche du Lion, ne laissant dans leur sillage que mort et désolation. Rien ne laissait croire que ces deux événements étaient liés. Et pourtant, en plein jubilé de la reine Jenna, ses propres factionnaires se sont transformés en monstres mécaniques, avant de se retourner contre le peuple, rejoint par l'Alliance de la Fusion et les pirates Etherlam. C'est alors que pour la première fois nous avons vu le visage de notre véritable ennemi, Scarlet Bruyère. Elle avait planté sa graine maléfique dans la tonnelle du crépuscule, où elle avait pris soin d'entreposer des armes et de former son armée dans le plus grand des secrets. Scarlet a séduit la cour des cauchemars et dupé les crêtes afin de former une alliance improbable et de faire surgir de terre une sinistre tour magique. Son poison s'est répandu insidieusement, distillant des vapeurs toxiques et d'insoutenables hallucinations. Nous ignorions que le pire était encore à venir. La fête est finie.